passons à la catégorie numéro 2. Tunaenda kwa mtindo wa pili. La partie 2. Sehemu mbili. Il y a des gens qui aiment que si vous les aimez, que vous les leur dites. Sasa, hapa kuna wengine wanao sema kwamba ukiwapenda uambie parole. Maneno. Wanapenda wajisikilie mulisikio. Mm-hmm. Usikuwe nafanya masambla. Est-ce que nous comprenons? Je, tunaelewana? Vos foyers vont se détruire à cause du manque de ça. Ndoa zenu zitabomoka sababu ya kukosewa haya. Vous êtes marié, suivez. Umeolewa, fuata vizuri. Vous êtes une fille, vous voulez vous marier, suivez. Wewe ni binti wataka olewa, fuata vizuri. Vous êtes garçon, un jour vous vous marierez, suivez. Wewe ni kijana, kesho utaoa, fuata vizuri. Parents, suivez. Nanyi wazazi fuate. Enfin, suivez. Nanyi watoto mufuate pia. Travail. Wakati unatumika. 2 ans, 3 ans. Miaka mbili mitatu. Tu n'as jamais acheté même un panier pour ta mère. Auja nunulia mama yako hata kikwembe kimoja. Et tu dis je vais me marier. Na useme kwamba utaoa. Oh, je vais me marier. Utasema nitaoa. Tu n'as jamais été au marché acheter même 2 kilos de viande. Auja fika sokoni ununue hata kilo mbili ya nyama. Appelez ta mère quelque part dans la cuisine. Ita mama yako ofasi flani jikoni. Mama. Mwambie mama. Je te parler. Ningependa nikusemeshe. Et mama vient. Mama nakuja. Mutapika inyama mama. Vous allez cuire cette viande. Azeheka naenda oa na haya uziaka ta mama yake kitu. Utafanyiziaka bibi yako na kufanyiziaka mamako. Jamais. Vous mariez un garçon comme ça, vous allez souffrir. Unaolewa na kijana wa vile wewe dada utateseka. Il va te donner ce qu'il n'a jamais donné chez eux. Atakupatiaka yenyewe kupatiaka mama yake. Alors, deuxième catégorie, sasa mtindo wa pili, la catégorie des gens qui aiment que vous leur parliez. Ni mtindo wa watu wanaopenda kwamba uambie, même si vous lui donnez, hata kama unampa, il ou elle veut écouter, chérie, je t'aime. Ikupendeze kumwambia kwamba mpenzi ni wewe ninayependa. C'est ton époux, ni mume wako. Il veut toujours écouter que tu lui dis des douces paroles. Ana tarajia kwamba sikie ukimwambia maneno matamu. Les hommes ont un démon. Wanaume wanakuwa na pepo. Si je dis à mon épouse que je l'aime, elle sera très orgueilleuse. Wanasema nikiambia bibi yangu kwamba mimi nampenda, Satani inuki. Atakuwa na kiburi. Et c'est comme ça que beaucoup de gens cachent l'amour. Na ni hivyo waume wengi wanaficha upendo wao. Ils ne le disent jamais. Hawa wambiake wake zao. Vous vous levez le matin. Unaamka asubuhi. Vous vous lavez, vous ne voyez même pas comment les enfants se sont réveillés. Unaenda unakoga haujui hata naona watoto waliamka. Batajila musha. Mais il y a qui aime que maman arrive dans leur chambre. Kuna watoto wanaotaka kwamba mama ingie chumbani mwao. Les enfants. Watoto. Ça va là-bas? Je ni amani? Tu es bien réveillé? Umeamka vema? Alors tu pars dans tes affaires. Ndipo sasa unaweza kaende shughuli. Il y a les gens qui sont sensibles à l'audition. Kuna watu wanaopenda wasikie. Ils veulent écouter. Wanapenda wasikie. Des paroles. Maneno. Des paroles. Maneno mazuri. Et d'autres là. Na wengine. Même si vous lui donnez 1 milliard de choses. Hata kama anaweza wapa vitu vingi. Tant que vous ne leur dites rien, ils diront hanipendake na hakuna siku alishaka nami. Wakati yoyote unawalundika kako vitu lakini hauwasemeshake, hawata rizika na wewe. Il y a une femme qui te dit, kuna mke atakaye kwambia, j'aimerais que mon époux me dise seulement chérie, 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 je t'aime chérie. Mimi napendaka tu bwanangu anaambie tu ya kwamba mpenzi ni wewe tu ninayependa. Cantique 1:15. Wimbo wa Salomon. Wimbo uliobora. Moja kuminatan. C'est dans la Bible. Ni katika Biblia. Voilà ce qui est dit. Tazama inayosema. Que tu es belle mon ami. Rafiki namna ulivyo mrembo. Que tu es belle. Wewe ni mrembo. Tes yeux sont de colombe. Oh, macho yako ni kama ya njiwa. Voilà la femme qui dit à son époux. Ona sasa mke anayemwambia mumewe. Que tu es beau mon bien-aimé. Oh, mpenzi namna ulivyo mwema. Que tu es aimable. Wewe ni mpendwa kabisa. Notre lit c'est la verdure. Eti kitanda chetu ni maua. Ndio. Biko mu Biblia. C'est dans la Bible. Hapa kuko banamuke benye balisikia kaneno na kupenda siku balifanya ka mariage. Tu. 20 ans habaya bisikia ka mulisikia. Sasa ile mapenzi ulikuwa namwambia kana mko mnafiansane. Ilishaoza, ilishaenda kokutu. Wale ilisharuka bazimu.
20 ans. Miaka makumi mbili. Vous n'avez jamais dit à votre femme je t'aime. Hauja mwambia mke wako ya kwamba wampenda. Mais dans des fiançailles. Lakini mlipochumbiana. C'était ça la langue de tous les jours. Ilikuwa njoo wimbo wa kila siku. C'est parti où? Sasa imeenda wapi? Hein? C'est parti où? Imeenda wapi? Est-ce que nous vous suivons? Je. Vous avez besoin de suivre l'amour. Muna haja kufuata upendo. Apprenez l'autre. Na uifunze mwenzako. Je lisais un livre. Nilikuwa nikisoma kitabu kimoja. Un spécialiste de comment se faire des amis. Muhanga aliyesoma namna ya kuwa na marafiki. Il m'a vraiment épaté. Alinishangaza sana. Il a dit. Akasema. Que le terme mot wangu. Ya kuwa français, neno français, le terme mon, ce qui m'appartient. Neno ya wangu, wangu. Que c'est quelque chose qui touche trop le cœur des gens. Kwamba ni jambo linalo gusa moyo ya watu. Ma sœur. Dadangu. Mon frère. Ndugu yangu. Mon ami. Rafiki yangu. Mon voisin. Jirani wangu. Mon collègue. Mwenzangu wa kazi. Mon ami. Rafiki wangu. Que quand tu utilises mon. Wakati unatumia iyo, ile wangu. Va dans le cœur. Na inapenya moyoni. La personne sent que elle t'appartient déjà dans ta bouche. Yule mtu anasikia kwamba una nafasi ndani mwake. Bibi yangu, bibi yangu, bibi quand yangu. Quand tu dis mon épouse, mon épouse. C'est différent de dire mama fulani. Ni tofauti kusema mama fulani eh. Bwana yangu. Vous comprenez ce que ça dit? Mon mari. Bwana yangu. Mon mari. C'est différent de dire baba fulan. Dites au fait akusema. Père de tel. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu, muko mnaelewa? Vous trouvez votre ancien professeur dans la rue. Unakuta mwalimu wako wa zamani njiani. Bonjour prof. Jambo mwalimu. L'autre va dire oh mon professeur, bonjour. Oh mwalimu wangu, ajambeni. Le mot mon professeur. Neno mwalimu wangu. Devant les gens. Mbele ya watu. Est plus cher que le mot de dire bonjour prof. Ina thamani kubwa kuliko kusema prof. Prof ni wa wote. Mwalimu ni wa wote. Ne kati di mon professeur. Lakini usemapo mwalimu wangu. Il sent que il est réellement ton professeur. Anajihisi kweli ya kwamba kwa mwalimu. Je lis ce livre là. C'est le livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Ni kitabu kinachoitwa namna ya kujipatia marafiki. Ça m'a beaucoup dépassé. Ili nipita ufahamu. L'enfant a commis des dégâts. Wakati mtoto alikosea. Ou tu veux le ramener un peu? Unapotaka murudisha. Mon fils, mon fils. Utamwambia eh mwanangu, mwanangu. Mon fils. Mwanangu. C'est différent de dire toi. Toi. C'est différent. Ni tofauti. Tu as un problème avec quelqu'un? Una tatizo na mtu fulani. Jean. Yohan. J'aimerais vraiment te parler. Ningependa nikuongeleshe. L'autre vient dire. Mwingine atakwambia. Jean mon frère. Yohan ndugu yangu. J'aimerais te parler. Ningependa tusimulie. C'est différent. Ni tofauti. Kuna watu wabakufundishwa kusema. Yale Jean qui n'ont pas été instruits à parler. Kila kusema ni kikwazo. Chaque fois qu'il parle, c'est un scandale. Même dans les foyers, c'est comme ça. Il y a des gens qui grandissent et wanafikia kuoesha na habaya yua namna ya kusema. Il va arriver même à l'âge de faire marier son enfant, mais lui ne sait pas parler. Ah oui, oui. Anafika wa hatua ya kuoesha, ni baba hajue kuongea. Unazeheka hauyu wake sema. Tu vieillis, ne sache pas comment parler. Alléluia. Amen. Alors, sasa, et regardez ça. Anaangalia, regardez cette image. Mwangalie picha hii. Et comparez avec cette image. Na mwilinganishe na picha ingine. Est-ce que vous trouvez un peu la différence? Je, mumeona tofauti ndogo. Vous avez vu ça? Muliona ile? Ça c'est un foyer. Hii ni ndoa. Et voyez ce foyer là. Na muone ndoa ingine. C'est l'homme ici et la femme. Uyu ni bibi na bwana. Là c'est l'homme et la femme. Na hawa ni bibi na bwana. Mais qu'est-ce qui exprime déjà en regardant leur posture, est-ce que ça ne vous dit pas qu'il y a quelque chose qui sort dans la bouche? Kwa kuangalia mishikamatio yao hamuone ya kwamba kuna kitu kinachokuwa
vinywani mwao. Eske ici. Hapa mtazama hapo hapa hivi. Ici c'est la joie? Je, hapa kuna raha? Apprenez à communiquer. Mujifunze kuwasiliana. Il y a les gens, kuna watu qui aiment, wanaopenda, quand ils ont fait des biens, na wakati walifanya mema, que vous les vantiez. Unamutapa. Ndio. Hapa nata inje. Uliviweza namna gani? Ajabu. J'ai une épouse très propre. Kweli nina mwanamke msafi. Mais la maison est très propre vraiment. Nyumba hii iko safi. Mwanamke natumika na jivu. Mille fois unafika unafaire semblant que haukuona. Uliokokea wapi? L'enfant a travaillé jusqu'à se couper à 1000 morceaux en disant quand maman viendra, j'épuisais 10 bidons. Vraiment, mutoto anajisumbua, anaenda huko na huko akashota hata jerekani 10 za maji. Fatigue. Kupata sifa toka kwa mama. Où elle est assise. Au anaka. Toi tu arrives. Wewe unafika. Mulishota mai. Vous avez puisé de l'eau? Je vois que vous avez. Vous ne passiez pas les chungu, ne piquez bugali. Amenez-moi la casserole, je vais pétrir. C'est mal parti. Umeenda vibaya. Izi bidon ziko mu mai. Unatikisa ya kwanza. Ces bidons sont pleins d'eau. Tu bouges le deuxième. Unatikisa. Le troisième. Unagusa ya tatu ya ine. Nani alishote ma bidon kumi zote? Mais qui a puisé ces bidons? Maman, c'est moi. Mtoto anasema mon enfant, mwanangu. Tu vois quand même. Unaona sasa? Maintenant on a de l'eau dans la maison. Sasa tumekuwa na maji nyumbani. Maintenant on a de l'eau dans la maison. Sasa tuna maji nyumbani. Bravo mon fils. Hura mwanangu. Bravo ma fille. Hura binti wangu. Demain elle va puiser 25. Kesho atashota ngungulu nzima. Donc il y a des gens qui ne savent pas encourager les autres. Sasa kuna watu wasiotia bidii wengine. Même une femme, hata mwanamke, même un homme, hata mume. Des gens qui ne savent pas dire merci. Watu wasioweza sema asante. L'homme amène 4 poissons. Bwana mume analeta samaki hizo 4 nyumbani. Avec des tomates. Na tomate juu yake. Chonga. Kalanga. Tout le nécessaire. Vyote vya lazima. Il vient en moto. Anakuja kwenye pikipiki. Il arrive. Anafika. Très rapidement. Haraka sana. Nashinda. Il est à la porte. Yeye ni mlangoni. La femme est assise. Mwanamke anakaa. Karibu. Karibu baba fulani. Elle est en train de peigner. Yeye iko tu anachanua. Karibu. Karibu. Pas de yambi, pas de baiser. Wewe uko nasikia wewe mtoto wewe. Hakuna kumkaribisha. Wewe uko nasikia wewe. Na wengine wenye wanaikala hapa bashindikana. Amen amen. Mko na waza Esther njoo niko naambia. Hapana yeye peke mshafika mkunyumba kama unavifanyaka. Ndio. Karibu. Karibu ba, karibu. L'homme avec les poissons. Yeye bwana na samaki zake. Dans la main. Zingali mumiko. Amuone hii sachet. Vous ne voyez pas le colis que j'amène. Mais n'allez pas samaki, chérie. J'amène le poisson, chérie. Kiazo pale. Ouais, kiazo pale. Anaendelesha tu kujitengeneza. Dites-moi, est-ce que moi je vais amener le poisson demain? Sasa, muniambie, eba naume, kesho utaleta zingine. Des fois, vous les femmes, vous pleurez devant nous. Oh, mon mari ne m'aime pas. Mais toi, tu vis comment? Mara mingi ninyi wanawake mnasemaka mbele yetu watumishe kwamba mie bwanangu anipenda. Na mnafanyaka nini ye? Mais une femme qui connaît que l'homme a besoin d'écouter de bonnes paroles. Lakini mwanamke ajuaye kwamba mume anapendaka sikie maneno matamu toka kwa mke. Elle va la peine. Ataacha vichanua. Ma? Haraka. Karibu pone na mchoko sheri wangu. Okay? Le prend le sachet. Shika sachet. Lui toi comme ça. Anamweka kwa mkono hivi. Et l'ouvre. Anafunga. Samaki ine. Samaki ine. Na nilikuwa na hamu ya samaki. Oh, j'avais la. Même si elle n'avait pas besoin de ça. Hata kama hakuwa na haja yazo. Nilikuwa na roho ya samaki. Oh, j'avais vraiment l'envie de manger. Leo bugali tashuka. Leo ndakula bugali mingi. L'homme là où il est. Mwanaume naye kwenye iko. Kumbe nilileta vitu vyenye vinahitajika. J'ai amené des choses dont on a besoin dans cette maison. Ah oui.
demain kesho viande de bœuf ataleta nyama ya ngombe nono. Est-ce que tu es de la catégorie des gens qui aiment qu'on te parle quand même? Mais t'es vé. Si toi non, kama wewe, apana, donc ça va, tu vas te retrouver dans l'autre catégorie. Bon, utajipata mu mutindo mwingine. Alléluia. Amen. Imaginez-vous. Mujiulize. Tu as fourni tous les efforts. Ulifanya uwezavyo. La femme te traite comme cette image ici. Mwanamke anakufanyia kama huyu. Elle te dit. Anakuambia. Est-ce que toi aussi tu es un homme? Na unawaza kuko mwanaume. Kuvala pantalon tu. Est-ce que toi tu crois que tu es un homme? Na unawaza kuko mwanaume. Où ton époux te dit? Awa bibi akwambie. Maziba tu. Avoir le sang seulement. Toi tu crois que tu es une femme? Les femmes sont ailleurs. Dans le soir, mettez-moi de l'eau dans la douche. Dans le cœur, tu vas dire. Moyoni mwako utasema. Si vale bengine banamuke njoba kutilie mai. Et va dire à ces belles femmes de te mettre de l'eau dans la douche. Faites attention avec vos paroles. Fanyeni angalisho na maneno mnayosema. Alléluia. Amina.